c'est au théâtre. Je jouais Love Letters avec Gérard Depardieu et il est venu. J'étais heureuse de le rencontrer. Pour moi, c'est un homme d'ailleurs. Il a un monde à lui, c'est un monde où on peut rêver. Chose qu'on fait peu aujourd'hui, mais lui, il vous fait rêver, non? Il est venu me voir au Théâtre Antoine. Je serai au Théâtre Antoine le 7 avril, bien sûr, oui. Et c'est formidable. Quand vous entendez les premières notes, la musique, avant que le texte commence même, mais vous avez la chair de poule, hein, tout d'un coup. C'est comme si parfois il avait mal et il appelait. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas la tristesse. C'est une mélancolie et puis des choses qu'on retrouve aussi. Avant, vous entendez ça, vous dites, attends. D'abord, on reconnaît toujours. C'est vrai, hein? Même si on ne connaît pas, on reconnaît. Christophe, c'est fragile, quoi, je crois. Lucide au clocher de l'église, dans le square, les fleurs poétisées.